Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très très spéciale aujourd'hui, une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature. Je vais présenter la collection de figurines pop d'un abonné, donc voilà, d'un abonné, il m'a invité pour les présenter. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais lui faire une grosse dédicace à son compte Insta. Je mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Et puis on va commencer maintenant. Comme vous pouvez le voir à gauche de votre écran, vous avez un château Harry Potter Puzzles, si c'est bien ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors je vous l'ai pas dit, mais il est fan d'Harry Potter, donc voilà. Les pops, c'est que des Harry Potter. Ici, c'est le château de Poudlard. Poudlard, avec deux baguettes. Donc voilà, les baguettes, vous les voyez. Et puis, on va commencer maintenant. Donc, on va prendre Nifleur. Tu peux me la prendre, s'il te plaît. Donc, merci. Donc, les mecs, voilà, Nifleur. Nifleur, elle est vraiment stylée, je trouve. Elle est mignonne. C'est la numéro 8 de la collection Harry. En fait, t'as presque toute la collection Harry. Du coup, voilà, dans la collection Harry, il y a toutes les pop. Donc voilà, je vais faire. Si vous faites pause, hein, si vous voulez. Donc voilà. Alors là, le tour de la boîte, c'est comme toutes les pop. Hein. On va l'ouvrir. C'est le plus important quand même dans la vidéo. Donc, alors que je galère pas, voilà. Hop, hop. On l'ouvre. Attendez que je galère pas. Putain, oh, je galère. Alors, c'est bien, en plus c'est pas la première fois que j'ouvre des pops. Là je pousse bleu pour me... Voilà. Et là on va la sortir comme ça. J'espère que ça n'allait pas être ça pour toutes les pops. Donc voilà, on l'a sortie de sa boîte. Elle est comme ça. Elle est super jolie. Ouais, elle est vraiment stylée, je trouve. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour. Elle est très très jolie. Donc voilà, elle est super jolie. Donc passons directement à la deuxième pop. Vas-y, tu peux me la prendre. Donc on va passer sur la pop de Ginny Weasley, donc la sœur de Ron dans Harry Potter. Donc voilà, Ginny Weasley, comme tu me l'as dit, elle est assez stylée, c'est la numéro 46 de la collection Harry. Donc sachant que c'est la dernière de vague de pop Harry Potter, donc c'est l'une des dernières. Ok, donc voilà, dans la collection il y a ça. Voilà, voilà. Donc passons directement au déballage. Alors t'as combien de pop là en tout? 6 exactement. Six. Ok. Alors. Hop. Hop. Wow, elle est trop stylée. Donc voilà. Elle est super stylée. En plus, les mecs, il y a un socle. Il y a un socle. Il est trop stylé, il est transparent, donc on ne le voit pas vraiment. Tiens, on va le mettre sur son socle. Alors, on va déjà le présenter sans son socle. Donc, elle est vraiment, vraiment stylée, les mecs. Les cheveux orange. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Harry Potter. Donc, voilà. Elle est super stylée. Donc, passons directement à la troisième pop. Alors là, il s'agit d'Hermione Granger dans la toute première vague de pop Harry Potter, donc quand le film est sorti. Et donc, c'est Hermione Granger en tenue de Poudlard. Donc voilà, merci pour cette information. C'est la numéro 3 de la série. Nous avons toutes ces pop dans cette série, je vous laisse admirer. Donc, passons directement au déballage. Au déballage, les mecs. Et je voulais juste vous dire, en avril, normalement, non, c'est même pas normalement, c'est sûr, je vais à Dublin. Donc, je vais vous faire un vlog. Donc, voilà, s'il y a encore du temps, mais je vous ferai un petit vlog. Donc,
vois la... Oh, elle est stylée, hein. Elle est assez stylée, les mecs. Donc, la voilà, les mecs. Elle est extrêmement belle avec sa petite... merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Baguette. Donc voilà. Elle est très très jolie. Très sympa. Alors, passons directement à la quatrième pop. Alors, la quatrième, ça sera Dobby, l'aide de maison qu'on voit dans le 2 et dans cette partie 1 et 2. Donc, c'est un elfe de maison qui appartenait à Lucius Malfoy et qui après adore Harry Potter. Donc voilà, je vous laisse le découvrir en pop. Donc voilà, merci pour l'information. C'est Dobby, comme tu nous l'as dit, numéro 17 de la série. Nous allons admirer les autres pop qu'il y a. Donc voilà, voilà. Cette vidéo va durer assez longtemps parce qu'il y a encore deux pop à présenter, les mecs. Surtout si je mets 3 minutes par pop. Voilà. Alors, on va la déballer. Elle a l'air petite mais stylée. Ah oui, elle est vraiment vraiment stylée même. Ah, je crois que c'est elle que je kiffe le plus dans ta collection. Avec les oreilles hyper stylées. Ah ouais, je la... c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est ou pas? C'est une chaussette en fait. Pour, parce qu'en fait, un elfe de maison, quand on lui offre un vêtement, c'est quand il devient libre en fait. Ah oui, d'accord. À la base, ils sont sous esclavage. Mais... Ah oui, je vois. D'accord. Donc les mecs, elle est très très stylée. Passons directement à l'avant. Dernière pop. Alors là, on va passer sur... une pop des Animaux Fantastiques, le dernier film de J.K. Rowling. Donc c'est en fait Norbert Dragono, le héros, et c'est l'une de mes premières pop que j'ai eues, donc avec un magnifique œuf en argent dans la main. Je le vois. Donc merci encore pour cette petite information. Juste les mecs, ne dites pas qu'il est hyper intelligent dans les trucs Harry Potter, c'est juste qu'il adore ça depuis assez longtemps. Tu fais la collection depuis combien de temps? Ça va faire bientôt un an et demi. Ouais, bientôt un an et demi. Donc vous voyez, je pense qu'il connaît un petit peu tout dans les Harry. C'est le numéro 2. On va voir un peu derrière tout ce qu'il y a. Je vous laisse admirer. Donc voilà les mecs. On va la déballer. Hop. Hop. Voilà, on la prend, on met ça de côté. Wow, elle est stylée, l'œuf il est stylé en plus. Et il est vraiment stylé hein, les mecs. Là vous voyez l'œuf en argent je crois, si le focus est bon. Sinon je voulais vous dire aussi sur cette pop, au niveau des cheveux, elle est super bien détaillée. Donc il y a vraiment, elle est super belle, c'est l'une de mes plus grandes pop et que j'adore vraiment. Aussi c'est normal vu que c'est ma première que j'ai eue. Donc vous voyez un petit peu la petite la baguette en argent, en or pardon. Elle est stylée cette pop. Passons directement à la dernière pop les mecs. Alors la dernière pop, c'est une pop très très petite, donc c'est Lord Voldemort. Avec robe verte, baguette blanche, donc elle est vraiment très petite et elle fait partie de la première vague Harry Potter, comme Hermione Granger. D'accord, merci. C'est la numéro 6 de la collection Harry, donc je vous laisse admirer les autres pop qu'il y a dans cette collection. Donc voilà, passons directement au déballage de... cette dernière petite pop. Donc voilà, hop, hop, et voilà. Oh, elle est stylée, hein. J'avoue, elle est petite, mais elle est stylée. Et ouais, les deux meilleurs que j'ai adoré dans cette vidéo, c'est ces deux-là, les mecs. Dites-moi dans les commentaires, c'est laquelle que vous avez adoré. Hein. De toute façon, dans la description, on vous mettra de la première pop qu'on a présentée à la dernière. Et puis, vous nous mettrez les numéros dans les descriptions de celles que vous avez
le plus adoré. Donc, bah, cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Allez checker la description car je vais mettre le compte Insta de mon abonné. Donc moi, en tout cas, bah, je vous dis bye bye. Et bien, abonnez-vous à la chaîne. Ciao !